Position que Haïti du canal pas camper et que si vinn gen dégâts qui fait et du côté de la République dominicaine du côté de d'Haïti, c'est Haïti qui prend la responsabilité. Monsieur ça tellement énervé. Monsieur ça tellement énervé hier que monsieur même dit que l'ambassadeur Chala parle d'agression, de menace que Haïti condamné
et que c'est Haïti qui est occupé pendant 22 ans. Mm-hmm. C'est montre que monsieur a énervé et m'a dit mon bagage, avant que Marina spécifiquement dans l'UEA, me connaisse un petit bout de temps après avec nous, c'est que tout ambassadeur vient parler, que Costa Rica, que Panama, c'est-à-dire que tout pays, parce que l'ambassadeur représente les pays, yo, premier ça, il dit que la rivière Massacre, c'est ça que les yon cours d'eau partagé. Ça veut dire qu'il doit être clair pour Haïti, tant qu'il doit être clair pour la République Dominicaine, que la rivière ça pas pour yon moun. Que la rivière ça pas pour un pays, c'est pour deux pays que lié. M'a regardé ambassadrice Costa Rica qui clair, il dit gloa est important pour pays, il est important pile pour Haïti, il est important pile pour paysans haïtiens. On a dit que l'homme fin garde, l'homme fin tente, tout ambassadeur qui prend la parole, l'un après l'autre, eh bien, on n'a pas dit que l'on prend pour Haïti, c'est pas comme ça, mais il aurait été dans sa droit international là, dit, hein, à l'opposé de l'opposition dominicaine, qui montre que bon, qu'il n'y a pas de droit, mais on dit que, bagaille la fait dans les règles de l'art, mais cependant, il est clair que l'OA sont ressources qui sont importantes pour tous les pays. Je pense que ça qui passe hier, c'est un très important, parce que longtemps de gen gros forum international, ça yo, faut gen yon moun qui vini qui défend l'intérêt pays. Parce que imagine que sous pas de parler là, eh bien, tout ça dominicain est après le dit, il est après le passé. Et enfin, avant de arriver dans ça, le secrétaire général ou la mission, il y a un côté que. Et pendant que l'ambassade et ministre Roberto Alvarez a dit, il n'y a pas informé Haïti. C'est là ça que M. Léon Charles, l'ambassadeur, a dit, écoutez, mais ou même, ou décide de faire ou rouvrir le canal La Vigie, ou mettre combien de pompes sous lui pour pomper de l'eau la rivière Massacre, et ou même dit même officiellement, c'est de l'eau ça va dévier la rivière pour nous, nous ne pas trouver. Je pense qu'il est important, ça qui passe hier pour nous remettre dans le contexte, pour ne pas dire seulement mes déclarations République Dominicaine, mes déclarations Haïti, mais qui j'ai échangé tellement dur que mon qui t'a dirigé séance là te dit s'il vous plaît mes amis pas fait tac au tac. Moi-même qui ça m'a dit rapidement sur question visite d'une mission de l'OEA. Si la mission de l'OEA guerrier et Johnny, une mission de l'OEA en Haïti, ça va s'appeler une mission conciliatrice de conciliation de médiation. L'on a conciliation de médiation ou pas dans l'ordre. Ou par le niveau d'un tribunal d'arbitrage, ou par le niveau d'un tribunal international, côté qu'on décision qu'on prend. Ça veut dire que OEA, tant que Nations Unies, tant que la France, tant que plusieurs entités internationales, t'as bien aimé chercher une solution pacifique, côté que nous pas obligés à aller devant un arbitrage international, nous pas obligés à aller devant un cours de justice international pour une décision prendre. C'est comme si il y a cherché pour nous voir que est-ce que deux pays n'ont pas entendu sous question ça. Mais en aucune façon, d'aucune manière, une mission de l'OEA qui a joué un rôle de médiatrice n'a pas ordonné de camper travail, ça n'a pas un droit fait. Non, ce n'est pas droit, il y a un sacré médiation internationale. Mais Florent, mais li clair, oui non ça yo di, pa konnen se mwen ki trompe, li clair que yo parle de yo mission juridique pour évaluer travail canal là. Donc l'en prend mot à sens mot à évaluation. Donc là on fin évaluer yo gon travail yo fait, mais y a bien des rapports ou y a produit et dans rapport là, y a bien des conclusions, probablement des recommandations. Nous même c'est dans sens ça nous travail mission. Y a d'accord Johnny, mais yo pas qu'à prendre des décisions. Ils n'ont pas qu'à prendre des décisions. Là, on dit qu'il y a venu avec des techniciens, il y a venu avec des juristes, c'est normal. Parce que si on bagaille qui touche à droit international, ok, qui peut regarder ça, droit international l'a dit, qui peut regarder ça, traité que Haïti a signé avec le Dominicain l'a dit. Mais de l'autre côté, nous-mêmes, tout en Haïti, nous sommes contents que l'ambassadeur Charles te dit un bagaille. Nous-mêmes, tout en Haïti, font comme ça. Oh, il n'y a pas qu'à prendre des décisions. Mais je vois si bagaille arrive devant, il y a un conseil d'arbitrage. Ou soit arrivé devant la Cour internationale de justice, à ce moment-là, il faut que le travail que nous avons fait, c'est un travail qui conforme aux règles, aux normes et aux standards. Ça fait que moi-même, un gros avertissement que je toujours dit, je vais répéter là aujourd'hui. Je ne vais pas parler pour OEA. OEA ne doit pas prendre décision sur mission de médiation.
y a vinn gade, yo doit faire des recommandations, yo doit dire bon, OK, nous que bagay la, gen ti bagay ki manke la dan, nou te ka arrangel. Et bon bagay que Johnny dit, nous même nous doit tout profiter mande yon évaluation générale de utilisation cours d'eau qui est le massacre là. Parce que usage là pas équitable. On pas gagner 11 à 12 travaux, 12 ouvrages que République Dominicaine fait que nous pas fait. Mais ce bande de combat qui est essentiel, ça n'a fait à tout, il pas doué dommageable. C'est dans ce sens ça que comme monsieur Charles, il parle au nom de l'État, c'est dans ce sens ça me pensait que aujourd'hui, je dis plus que jamais l'État doit intervenir. L'homme dit l'État doit intervenir, pas oublier, moi m'a coûté journée depuis avant hier. Il est clair que c'était un projet de l'État. L'État a campé projet, population, paysans reprennent parce qu'ils ont une nécessité de l'eau. Mais si on a pour nous prévenir à l'avenir, toute décision de justice internationale qui t'a pris, qui t'a dit oui, nous avons le droit d'utiliser de l'eau, mais il n'est pas fait selon normes et standards, selon protocole technique que nous avons présenté à la République dominicaine en mai 2021, il est important pour que l'État vienne. Pas pour le mettre mon yodeur, faut comité arrêter là. On a mettre campé, canal là pas campé. Comité a nous fait confiance, nous fait mon yodeur confiance et nous est élan ça qui fait pour Haïti. Mais cependant, il est très important qu'on y a pour qu'on regarde technique avancée. Pour que l'État qui a mis à disposition de comité, ou venir avec comité, pour mobiliser les ministères responsables, les équipements importants, pour mobiliser l'argent tout. Pour que ça nous prenne le faire. Par exemple, prise ça, c'est une prise qui fait selon les normes et les standards. Parce que ça me fait tout le monde comprendre. Si on arrive dans l'arbitrage international, ou soit devant la Cour internationale de justice, on va dire bon, qu'il me décide que Mounsa ou pas qu'à venir là, ou pas qu'à venir garder, ou a perdu devant la Cour internationale de justice. C'est que faut faire selon les normes et les standards, et puis fait selon les normes et les standards, l'État haïtien qui est bébé depuis un pile temps, l'État haïtien qui peut agir, je dis, l'État doit venir à côté population, à côté nation haïtienne, pour que le travail ça en affaire, il fait selon les normes et les standards. Qu'on y a là, M. Fleurant, non, travail, mission, oui, à ça qui peut venir là, qui parlait d'évaluation à tous les niveaux, hein, que ce soit sur le plan juridique ou autre, qui force ou recommandation ou après le gain. Parce que je ne dis pas tout à l'heure, c'est clair, au terme de visite ou bien au terme de mission ou à, ils font un rapport et ils ont fait des recommandations, ok, à peut-être Luis Almagro. Mais qu'on y a là, qui force, qui force ou recommandation. Mission ça après le gagner dans conflit ça s'ouvre qui est opposé la République d'Haïti face à la République dominicaine. Moi-même, au point de vue strictement international, ça va être des recommandations que l'on a fait à deux pays pour que l'on suive ou pas suive. Et si un pays n'a pas suivi les recommandations, l'autre pays, un seul bagage qu'il a fait, c'est continuer à aller devant une cour d'arbitrage. Ou une chambre d'arbitrage, excusez-moi, ou aller devant une cour internationale de justice. Parce que ça qu'a fait, là, depuis c'est un cadre de médiation, il y a un cadre de médiation qui a une proposition, j'en dis, qui a une recommandation, mais pas qui a une sacrée des décisions imposables à toutes les parties. Mais bon, il y a un médiateur, le rivet qui s'en va le faire, il va aller les parties, puis il dit, mais qui j'aime comprendre bagaille là, mes recommandations me font pour que nous trouvions une solution amiable sans nous pas aller plus devant. Il faut être clair dans ce sens-là. Il y a un médiateur par là pour venir dire comme ça que mes sacs doivent faire, mes sacs pas faire. Un médiateur là pour essayer d'arranger avec les parties, essayer de trouver une solution amiable entre les parties. C'est-à-dire que tout ça qu'on a fait, ni Haïti, ni République Dominicaine, ce sont des recommandations pour nous mettre fin à problème. Non. Mais ça qui est important, c'est que même là que son médiation, Haïti doit faire tout genre pour que lui-même lui prépare le dossier bien. Et au point de vue juridique, et au point de vue technique, et là, je dis au point de vue juridique et technique, ce n'est pas ouais, seulement le canal sur la rivière Massacre, c'est faire une évaluation générale de l'utilisation de cours d'eau international, ça qui est le massacre. C'est que le moment arrive pour que nous-mêmes nous profitions même par rapport à ça qui passe. Parce que je dis un bagage encore, que je t'ai dit. Pendant que tout le monde a fait République Dominicaine réponse à eux, eh bien, M. Roberto Alvarez,
ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, tu es obligé de répliquer à l'ambassadeur Léon Charles, si on va qui est très important. Monsieur a dit que l'obligé de reconnaître devant tout le monde que la République dominicaine n'a pas qu'à opposer lorsque Haïti utilise de l'eau. Nous sommes un bagage qui est totalement différent que l'eau campé l'autre bois en République dominicaine. Il a dit aux propriétaires de l'eau. L'eau prend naissance en République dominicaine. Là, elle tombe dans la main en République dominicaine. Que l'eau c'est titulaire propriétaire de l'eau. Mais devant Forum international, ça, devant Conseil permanent. Organisation des États américains, monsieur obligé de reconnaître ça que l'on souveraineté partagée sous ressources là. Et je pense que ça, c'est une grande victoire encore pour Haïti. Parce que l'arrivée d'un gros forum international, ça veut dire, c'est que le monde qui a parlé, ce n'est pas le sentiment qui a fait parler. C'est les faits, c'est le droit qui a fait parler. Et monsieur Vingade, que tout le monde qui prend la parole après, dit un seul bagage. Mes amis, il faut entendre nous. De l'eau, c'est pas un bloc pour un pays, c'est de l'eau pour deux pays liés. C'est dans ce sens que moi-même, pour qu'il y ait toujours une médiation de l'OEA, par exemple, Haïti ne doit pas accepter une médiation de l'OEA. Ou qu'il doit avoir une médiation, par exemple, des Nations Unies, ou qu'il doit avoir une médiation, par exemple, du Vatican, ou qu'il doit avoir une médiation de la France. Une médiation veut dire que tous deux pays ont accepté le médiateur là, ils ont accepté que le médiateur là vini. Médiateur vient garder et après médiateur pas pour faire recommandation à l'Assemblée générale ou à qui prend compte décision non il prend faire des recommandations au parti puis ouais qui j'en parti ou même le cas trouvé une solution amiable entre eux. C'est ça, c'est comme si en Haïti ou qu'a un problème avec un monde au lieu que aller devant un juge avant ou qu'on voisin qui dit bon OK venez là on entend nous pour ne pas entendre. Et voisin, ça c'est pas une décision de justice qu'il prend. Il y a un médiateur qui prend des décisions de justice. Période. Son paysan, il y a un nord-est que nous avons avec deux semaines passées, nous avons planifié comment nous avons continué le travail ensemble avec eux, car nous n'avons pas campé. Radio ou pas parler ou bien Chavan Jean-Baptiste font retrait notamment sur le plan politique ou bien qu'il y a des cap fait et dans région côte ouyea c'est nous mêmes qui pas au courant bon petite nouvelle Chavan Jean-Baptiste non bon alors Chavan Jean-Baptiste même manger m'a mangé ce politique donc nous excusez-moi actifs souterrains mais et bon, nous avons l'habitude de parler dans la radio, soit les nous faisons une conférence de presse, nous voyons des notes dans la presse, ou bien on radiorait les nous sur un sujet et d'actualité. Mais ça nous parler, nous pas vraiment prendre l'initiative et parler dans la radio, mais et nous avons une radio à paysans, nous avons présents sous lit, et puis activité MPP, c'est des activités continuelles sous plan agricole, nous avons besoin d'agriculture paysan agroécologique pour combattre et manger pépé et combattre manger un poison nec, et puis tout le que la peigne paysan, et nous travaillons dans défense agroécologique paysan, nous travaillons nan défense de souveraineté alimentaire parce que nous sommes membres via comme destinée internationale, nous sommes membres fondateurs et organisations. Mais dans le dernier temps, depuis l'année passée, nous concentrons sur préparation 50e anniversaire MPP qui nous est extrêmement important et pour nous-mêmes, pour paysans haïtiens, pour paysans et dans la région, pour paysans du monde entier, parce que dans le congrès, la délégation internationale qui était là, dit bon, et l'organisation paysan qui vient 50 ans, et bien son patrimoine paysan sur toute la terre. Donc, nous, toute année, nous organisons des gros rumblés et sur l'environnement, et sur l'agriculture paysan, congrès. Et paysans même, nous posons des problèmes paix. Et dans le pays d'Haïti, notamment, ça a passé dans le nord-est avec notre plateau central. Donc, nous, actifs, 24 sur 24 sous pays, et dans le pays,
EMPP présent et sous réseau social 24 sur 24. Donc nous actifs et puis quant à politique, nous considérons que toute action on a fait des actions politiques, les audio pas politiques sont façon de faire politique. Merci un peu, Javan Jean-Baptiste. Mais maintenant, avant de nous retourner sur ensemble d'activités n'a pas organisé, qui déjà organisé, que nous avons pour nous organiser avant à fini dans l'occasion 50e anniversaire mouvement Papa là, permettre que nous retournions maintenant, ne serait-ce que brièvement, sous genèse MPP mouvement Papa. Et je dis à 50 ans après, est-ce que dans auto-évaluation fait au niveau de MPP, nous voyons que mouvement paysan papa il répond à vocation première li. Autrement dit, comment nous MPP 50 ans plus tard et par rapport à Jean pays a configuré jodia sur le plan social, économique et politique. Alors, c'est une bonne question et faut nous sincères. Objectif MPP mission li et bien c'est défendre intérêt paysan haïtien de son intérêt masse populaire yo. Et nous gagnons dans le mouvement jeune là écrit pour dire nous voulons faire un dehors pour nous un paradis pour au lieu mon acquis un dehors à vivre la ville pour la ville en vue d'une vie en dehors. Et bien nous capables de constater que j'ai fort MPPO, nous fait un pile, j'ai fort. Et si nous résistons pendant 50 ans, nous avons écrit un pile livre sur la positif pour réaliser. Mais nous sommes capables de dire, situation masse paysan, yo, masse populaire, yo, au lieu de vivre plus bon et de vivre plus mal après 50 ans. Donc je dis, nous capables de dire, nous capables montrer que MPP atteint objectif li ou bien en route pour atteindre objectif li dans ça qui garder et fait paysan yo connaître ce monde pour tout le monde et fait paysan yo comprendre que yo fait pour yo mettre que y a travail et si yo pas mettre yo faut yo gain droit et pour gérer terre yo et travail avec paysan yo pour gérer environnement et pays a donc et nous doit garder manger haïtien mais pas demander une collaboration et avec l'état malheureusement pendant 50 ans nous pas jamais de support aucun gouvernement haïtien l'état haïtien toujours en face mouvement paysan yo et a massacré paysan et pas bail paysan crédit, pas bail paysan infrastructure pour faire agriculture. Donc nous nous bataillons et avec même l'État et dans le pays d'Haïti et ça depuis 50 ans et dans dernier temps là le regarder et ça a passé mon oui ça a passé dans plateau central sous ferme papaye et ça a passé dans nord-est. Et bien nous avons dit nous avons l'État anti-paysan et qui fait que le résultat nous mitigé parce que le vrai objectif bien net que nous avons les pour paysans Haïti et pendant 50 ans ça y a, au lieu d'un plus grand monde nous a fait manger et bien nous venons rester avec pays étrangers notamment République Dominicaine nous a fait manger donc et là c'est à cause d'une absence totale de l'État à cause d'absence politique publique et en faveur production nationale, production manger et dernier, et bien, il a expliqué ça nous a dit là, nous avons saisi la semaine passée, bon, et il y a un document côté que c'est 2,9% que l'État haïtien est consacré pour l'agriculture dans le pays d'Haïti. Et pendant que la République Dominicaine fait des frontières pour dire qu'on va manger et les tintins, vous voyez, dans nous manger, vous faites pour nous spécialement en Haïti parce que manger ça, vous ne pas manger pour manger. C'est comme si vous considérez nous-mêmes, nous ne pas manger. Donc, c'est un moment où l'État a ramassé comme figure
pour vous manger et puis vous mettez 2% dans le budget national. Donc ça veut dire régime PHTK, son régime anti-paysan, anti-production agricole nationale. Donc, dans cette situation, on a dit extrêmement difficile pour l'organisation paysanne au niveau atteindre l'objectif que nous avons. Par le passé, il rapportait que le pays a été suffisamment fait manger pour la population le manger, mais pourquoi pas même faire des bagages pour vous et dehors. Et jusqu'à l'année 80, il a parlé de autosuffisance alimentaire en Haïti toujours. Mais je dis, vous avez évoqué ça avec Pont Sout fait là, que Haïti dépend totalement, pour ne pas dire presque totalement, de l'étranger dans sa citoyenneté à consommer. Ça qui a passé en République dominicaine là par rapport avec Haïti, tu as deux opportunités, même si c'est l'État qui doit bailler le temps, mais autosuffisance alimentaire, ça n'a pas l'air, c'est l'affaire de tout le monde dans le pays, que ce soit les gens qui sont dans le secteur politique, les gens dans le secteur économique ou les sociétés civiles là. Mais vous autres qui c'est des gens qui considérés comme des pionniers dans ensemble de lutte paysanne contemporaine, si vous voulez. Donc comment nous compter, bien entendu, mouvement Papaye, de concert avec ou ensemble de l'autre organisation de paysans qui est partout dans le pays, a au moins mettre nous ensemble pour nous voir comment nous capables de faire des actions d'éclat en guise de réponse à Jean-République Dominicaine Campela dans la question conflit qui opposait Haïti avec Saint-Domingue. Alors, vraiment, nous pensons que Abinader. Monsieur Jean-Baptiste, monsieur Jean-Baptiste. Li fait 8 heures dans tout studio Caraïbe FM, ou mettre rete sous soi fou, espérant qu'on songe question 1, et puis l'idée pour cultiver la terre, permettre qu'Haïti fait manger pour bay tête li, et puis pour exporter avec nous en ligne. Chaban Jean-Baptiste qui toujours là, nous te poser la question avant pause là pour nous dire qui est ça qu'a fait au niveau de MPP pour si on met tête ensemble avec de l'autre organisation paysanne pour garder hein. Comment capable au moins provoquer bagaille et même faire l'État prendre responsabilité dans quatre batailles ça nous doit initier dans le pays pour retourner avec autosuffisance alimentaire là. Eh bien oui, Jean vous dit ça, monsieur Johnny. Et Haïti de grand monde dans affaire manger jusqu'à fin année 70 et côté que et non seulement nous de grand monde, nous sommes souverains. Nous avons fait manger, nous avons fait produit manger qui sain. Et puis nous avons produit manger, nous sommes capables de voyer dans notre pays. C'est avec l'application politique néolibérale, dans le commencement de l'année 80, et bien petit, et politique barrière libre, et qui vient sous gouvernement, et bamboche démocratique, dans le pays, vient tomber sous la balade, Haïti. Vin perdit souveraineté alimentaire et nous vin de plus en plus dépendants. Et que je dis à c'est 60% à 70% manger nous manger qui sorti dans le pays étranger. Et ça qui est terrible, manger, je voyais ben nous, c'est manger empoisonné et notamment la République dominicaine. Qui produit une série de bagages spécialement pour Haïtiens, ils même ils pas mangé. Donc, et dans ce sens, ça nous a dit Abinader, rendre nos services, parce que lui réveiller conscience nationale et côté que les Haïtiens à partir des agressions à les ramasser, sont lever et nous voulons retourner. Bon, nous commençons à tourner dans combite. Combite. Et tout ça, il tient à faire ce combite. Eh bien, ça a passé. Et voilà, maintenant, montrer que sentiment solidarité ça, et patriotique ça, nous pouvons perdre. Les abdominaux, ils commencent à réveiller. Eh bien, il faut nous continuer combite là. Canal n'a pas de camper, mais canal doit continuer fait dans tout coin à plein coin. Pays d'Haïti, parce que je dis avec crise climatique là, le plus gros problème pays dans l'eau, c'est question de l'eau, c'est question environnement. Et c'est pour ça, faut que nous gouvernons pour Haïti, nous gagnons l'autre État et un gouvernement qui pral mette priorité sur l'agriculture avec protection environnement pays d'Haïti. Donc je dis à ça, PHTK fait là à travers Ariel, c'est inacceptable.
a mis 2% pour l'agriculture. L'agriculture et l'environnement doivent faire et action conviction pour sauver Haïti. C'est pour ça qu'il faut que nous continuions après Canal et voilà maintenant. Il y a un groupe paysan de Maïsade et paysan de Pomago et paysan de Marico. Et pour dire bon, eux-mêmes, ils voulaient continuer, ils voulaient de l'eau. Et pour faire canal, il y a des côtés qui disaient la colline qui doit être faite. Et des côtés de puits à Bézien de fouiller. Eh bien, et certainement, ce n'est pas Ariel qui va le de faire ça. Donc nous-mêmes, au niveau MPP, nous apprenons et nous défendons l'agriculture paysan agro-écologique face à l'agriculture industrielle là. Qui a produit manger empoisonné, qui a détruit l'environnement, je veux dire, qui a détruit la planète. Donc nous-mêmes, nous m'accordons avec des autres organisations paysans, nous sommes membres 4G contrées. Et 4G contrées gagnent dedans le MPP, gagnent le PMKP, gagnent le COROS, et 7 collectifs paysans haïtiens. Et dans nos processus, monter une plateforme nationale, toute organisation et paysans qui à défendre la souveraineté alimentaire et à défendre Haïti grand monde. Et c'est dans ce sens-là, nous avons une délégation qui était dans le Nord-Est, nous avons Chita avec l'organisation paysanne. Jeudi, vendredi. Et quoi, bon? Jeudi, vendredi, même, nous avons un représentant de la plateforme Cap Chita avec l'organisation paysanne. Parce que c'est un gros enjeu dans le Nord-Est. C'est pas seulement construit canal là, paysan ou paysan initiative là, mais je veux dire qu'il y a des gros palos, gros autobrés qui venaient ces paysans à côté pour être capable de prendre et jouir bénéfice canal là, avec 3000 hectares qui caoutent là, et de comment paysan eux-mêmes pour rester sous terre, produire, manger qui fait pour nourrir les pays. Donc nous-mêmes, nous prenons le travail, nous commençons le travail, je dis à même dans notre terre, et nous prenons continuer le travail, et des paysans renforcer l'organisation, et sous tout pays, et nous avons travaillé sous une campagne nationale pour produire manger natif natal, et nous gagnons une opération, nous manquons de moyens certainement. Une opération nous monter là et avec un pile organisation paysanne, eh bien opération pour soupe indépendance avec légumes haïtiens que paysans et là gagnent mobilisation qu'a fait pour capable produire légumes pour nous manger et pour faire avec légumes haïtiens nous faire soupe et pour nous continuer frontière doit rester fait même parce que son service nous-mêmes pour nous clouer frontières pour Haïtiens reprendre la production manger. Pays nous encore produit manger non seulement pour nourrir Haïti, mais même aider la République dominicaine pour manger qui sait parce que nous faisons coopérative dans le Nord-Est, côté que les meilleurs, eh bien, nous produisons des bananes organiques et dominicains nous viennent acheter parce que bananes pas nous anti bon passer par eux. Pour nous finir, Chavan Jean-Baptiste, nous te dit, nous t'avons démarré. Prétexte là, c'est parce que le mouvement Papa et Paysan s'est recevoir et 15e prix là. Donc, dans un groupe organisation américaine. Donc, nous allons permettre que vous retournez sur l'initiative ça et placer prix ça dans le contexte là. Et du coup, conclure avec ensemble d'activités que nous comptons faire pendant cette année là. Pour capable marquer 50 ans d'existence MPP, Mouvement Papa Paysan, il y a un plus gros mouvement paysan qui vient d'avenir. Oui, donc effectivement, il y a une coalition, organisation aux États-Unis qui travaille sous et souveraineté alimentaire. Et nous-mêmes, dans MPP, nous sommes réalisés le 25e camp souveraineté alimentaire. Et dans le pays d'Haïti, pour Haïti grand monde, nous avons fait manger là avec 460 jeunes qui sont dans 10 départements géographiques pays. Chaque année, nous faisons ça. Il y a des occasions 50e, c'est 460 jeunes. Nous recevons, c'est le temps nous recevons nouvelles
et bien il a pas courant public, mais nous fait recevoir nouvelle, nous remporter 15e prix souveraineté alimentaire avec une autre organisation dans Maryland aux États-Unis et qui a défendu et agriculture et ancêtres noyaux et aux États-Unis et Marita Josia avec agroécologie. Donc souveraineté alimentaire, donc, et nous-mêmes comme membres fondateurs la vie à comme destinataire international, c'est cheval bataille nous, parce que nous croyons, et depuis Haïti, depuis on paye grand monde dans la fait manger lui, et bien la plus de grand monde dans tout bagage. Et coalition organisation Tayo aux États-Unis, et bien chaque année, yo, et bien des organisations qui présentent et de programmes des organisations après, nous-mêmes, nous partons au courant que ils ont été présentés nous et nous avons une organisation partenaire qui est certainement la coalition avec la soute internationale qui est basée aux États-Unis, qui certainement te présente un dossier et sous MPP, permettent nous remporter prix ça qui pourra le remettre dans le mois novembre. Pour certainement prix, ce n'est pas un gros l'argent et aussi après l'argent la donne, c'est un. On fait pour nous là, mais c'est en reconnaissance du travail organisation yo, qui a boumé à travers le monde et pour le monde capable d'un grand monde et dans la fait manger. Ça veut dire que ce n'est pas multinational, ce n'est pas gros et entreprise agro-business yo, qui prend contrôle agriculture paysan yo, pendant qu'il y a détruit la planète là. Et chaque peuple gain droit et je dis à nous gagner une charte que l'ONU et voté qui reconnaît et droit paysan yo, droit paysan yo pour yo mettre droit paysan yo qui yo gain accès n'a pas conclu monsieur Jean-Baptiste à semences pour capable produire manger qui fait pour nourrir population planète là. Je dis à cap mourir en bas toute qualité maladie manger bail. Mais en même temps, et refroidir la planète là, c'est l'agriculture paysan agroécologique qui est capable de résoudre le problème de crise climatique là. Donc, nous très contents et nous recevoir plus tard. Et mais nous voulons que ça servit pour toute organisation paysan en Haïti pour nous continuer de travailler pour défendre la production manger natale, production manger qui fait pour nous boumer, pour paix agricole.